Et plop les gens, ici Zikino sur Bat Boy toujours, le garçon à la batte, non pas l'homme chauve-souris. Donc on allait au Cap Divis. Oula! Depuis que le Cap est pris dans les glaces, c'est devenu une destination touristique très prisée pour les sports d'hiver. J'arrête d'accélérer. C'est bel et bien une fille de glace. Non, c'était ça. J'ai l'impression que ouais, je pense qu'on peut pas monter, mais j'ai eu l'impression que le carré du milieu était vide par au-dessus. C'est vraiment tard. En tout cas, je trouve que le jeu reste aussi beau en ayant toujours du pixel art, mais en gardant une identité propre à chaque niveau. C'est peut-être juste un color swap, mais on sait rien. Mais en tout cas, ça suffit pour vraiment se mettre dans l'ambiance, si c'est ça. Je dis juste un color swap, c'était pour l'étude de devant, le fond de derrière à chaque fois il est forcément différent. Oui, on l'avait vu. Attention, c'est la haute saison, il y a des Forces skieurs partout. Oui. La cassette ici. Eh bien, vraiment, on aurait pu passer par en haut. Là, il y a quelque chose aussi. J'ai cru qu'il y avait quelque chose.
Ouais, tant pis. Hein. Non. Si compliqué, je pensais que ça serait plus dur de le prendre. Oh, oh, je ne pense pas que ce soit un gentil chiot, ça. Bon, je sais pas. Bienvenue au palais Ivredis. Quoi? En dessous le... Passage. Pat-pat le petit chien. Ça aussi je l'ai pas vu dans le niveau d'avant, le petit chien ou pas. La porte. Ça. Elle me perturbe tellement cette porte. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait dans Metroid. Attention avec les murs qui bougent si tu ne veux pas devenir Bat Boy. Je dis donc, la porte ressemble beaucoup à celle de Metroid, de Super Metroid, je crois, en l'occurrence. Mais. Pour autant, c'est pas genre le boss est juste derrière ou. Par contre, ça c'est un peu dommage. Charger la salle d'après et qu'en fait le. Et qu'en fait elle soit pas chargée. Ouf. Ouf. En fait, je devrais me grappiner pas utiliser ce truc-là pour aller plus vite. On le libérer. Il n'y a pas de sous-bonus, on s'en fout alors. Non!
J'ai la bulle d'Aquaria, je suis en train de me réfléchir si j'ai bien récupéré tous mes... Le souvenir IRL de tous mes pouvoirs, donc j'ai la bulle d'Aquaria, j'ai le grappin de la dame dans les... de Twills là, je sais plus, la dame Starlet. Pourquoi j'ai un 9? Je ne sais pas. Ah si, c'est des PV ça. Donc ça en fait deux, là on est au sixième niveau, j'ai la charge que je viens d'avoir, j'ai le dash qui peut être en l'air, ça m'en fait 4. Mince, il me semble que le cinquième c'est juste lancer la batte. La glace quand même elle le glisse hein. Ça c'est de la neige. Même la neige elle glisse déjà beaucoup. Ouais. Non. Ouais, il faut faire un petit saut parce que sinon on passe direct, mais on a le temps de faire les deux. Alors ici, je crois qu'on n'a pas le temps. Alors j'avais pas eu le temps parce que j'étais parti trop tard. Non, le temps. Gauche, gauche. Non. J'avais dit qu'il fallait que j'utilise le grappin et pas ça. Bah j'avais oublié. Je me suis fait karma, je l'ai même pas dit. Je vais dire ici, c'est facile de rester. Et j'ai pas eu le temps de le dire et je me suis fait karma. Et en parlant du grappin, je devrais tellement beaucoup plus l'utiliser. Là j'ai essayé. J'ai essayé, je suis tombé tout en bas. Ça sert plus à rien, vas-y tuez-moi. Ok, c'est pas comme dans Céleste, si on est sur les pics, on peut prendre des dégâts. Dans Céleste, on prend des dégâts que si on va vers les pics.
Donc si on arrive depuis l'autre direction dans Céleste, on se fait pas. J'ai... Chaque fois je dois l'attendre celui-ci, mais bon, moi je suis au courant. Je me suis pris de dégâts pour pas grand chose. En plus, lui est réapparu. C'était mon dernier grappin en plus. M'en fous, je dois avoir la fraise verte. Écraser, autant restart avant d'y arriver et que... C'est pas grave. Surtout ici on a un œuf. J'ai attendu, pourquoi j'ai attendu, pourquoi j'ai attendu? Juste. C'est bon. J'ai ma fraise verte. Je vais revenir en arrière d'ici, mais...
Ok, pire boss. Pire mini boss dans le mini boss. Un levier à l'autre bout de la salle avec des pics. Je sais pas si j'ai envie d'aller à droite ou en haut, mais je crois que j'ai envie d'aller à droite parce que la suite du niveau a l'air en haut. Parfait. Le palais existait déjà des années avant l'arrivée de Lord Vicious. Comme le prouve notre ami, les porcinets vivent ici depuis très très longtemps. Au moins, maintenant, ils savent se protéger du froid en portant des vêtements chauds. La boutique, donne-moi ta vie d'or. Tout ce qui commencerait par speed. Oh mince, pour speed en anglais. Donc, spech. Pas. Ah, le mini-boss n'est pas à refaire. On aura appris qu'il explose. Je me suis pris deux dégâts à cause de ça. Ça fait plus de 700 ans que ce sommet est prisonnier des glaces. Merci pour la leçon d'histoire. Mais à moins que tu ne veuilles une deuxième défaite, on va y aller, nous. Je te le fais pas dire, mes plumes sont en train de se transformer en stalactites. Je suppose que c'est un petit. Partons d'ici. Le maître m'a demandé de m'assurer que vous êtes prêts pour les matchs. Il y a ce gredin que nous ne participons pas à son truc débile. Vous avez mal compris. Vous n'avez pas votre mot à dire. Préparez-vous. Oh, on va pouvoir se téléporter sur le... sur la Wondash, sur le... sur la matraque. Sur la batte. Aïe. Allez.
Aïe. Il restait 2 PV. La première fois, il n'y avait pas eu de seconde phase. De mémoire. Donc là, potentiellement, il n'en aura pas 2 non plus. Vu qu'il n'est pas là en tant que boss final. Pseudo-boss final. Il semble qu'on n'a pas secouru tout le monde. Avec 3 PV de marge. On est bien là. Strike 2. Très intéressant. Le maître sera heureux d'apprendre que vous avez bien progressé. Attends qu'on lui mette la main dessus. Il va regretter d'être né. Pourquoi Toby a un maître aussi horrible? Il est l'incarnation de la puissance absolue. Et vous le comprendrez bien assez tôt. D'ici là, continuez à vous entraîner. Il y a quelque chose qui m'intrigue à propos d'Azaros. Tu m'étonnes! Il est complètement cinglé! Non, je veux dire, son regard. Il a l'air triste. Si tu le dis, allons-nous-en avant de se changer en statue de glace. J'allais dire, on arrête l'épisode là, on peut quand même aller chercher des PV supplémentaires, ce que j'avais oublié de faire juste avant. Oui. Mais je crois que du coup je pouvais pas juste avant. Et je pense qu'on peut prendre aussi un d'énergie supplémentaire. Boutique. Oui. Voilà. Maintenant, il y a ces deux niveaux là. Avec terre et gourmand. Mais ils m'ont l'air compliqués. Donc on les verra. Alors, je pense que je vais me les garder une fois que j'aurai toutes les. Tous les pouvoirs, que j'aurais libéré tout le monde. Donc on se quitte là pour le cap 10 et on va partir sur Nuts and Bolts au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et à bientôt.